Tenez toi touché moi mon qui est le dossier à tribalisme dans le régime à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que en tout cas ils ont continué Makasi et les gens en parlent sur le bel yangote ils ont pas simingi. Tomega yuko épinglé n'est-ce pas ma nomination là les cas qui a cette fois tout le tu les cas et parmi ces nominations vous verrez que Chilombo a démontré que c'est un vrai tribal et il n'est pas bien pour l'unité et l'avenir du Congo. D'ailleurs, beaucoup des officiers au Bazaki gardent Joseph Kabila, Lelo Namoa Otoza Koloba, Félix Tshisekedi la Tchétché Bangona Mupandi, a dégueupé le Bangona Banda Kunabango, au Banda Kovana Nabatan Tchatch, a Bimisi Bango et a Pessi Batunae. Mais le Rwanda n'est surtout, il y a un peu de frustration. Yango pesa kakanda, epi yango, eluka kaka, emema, ba rebellion, na ba coup d'état, na ka tchamboka. Bolwa ba militaire, yango a Congo, yamo, bazana bango pe, ba kipakate, bazo tala kaka. Mais, moi, je dis à Félix Tshisekedi, alors, les choses là que tu fais, ça peut risquer de te retourner contre toi. Trop de tribalisme, c'est un danger pour l'avenir de la nation. Alors, peuple congolais, Vital Kamerhe bandeko na ngai akendaki na Nord Kivu. Première vidéo batindelaki biso ya Vital Kamerhe na Nord Kivu yango yo naza kotiela bino awa bomona. En tout cas, selon cette vidéo, ezolakisa biso ke Kamerhe na Goma asalaki mpiaka. Regardez la vidéo. Voilà, wana première image ya Vital Kamerhe balakisa kibiso na Kivu kuna na kozongela ngo lisusu bomona ngo pote ko lobelo ko moko pe très important karate. Alors Kamerhe komi na Kivu kuna abandi ko sala ba discours na ye bomoni balobi na biso ke mango ko to mususu baza ko lakisa biso triomphalisme ya Vital Kamerhe na Kivu kuna comme vous n'avez pas l'idée. Regardez la deuxième vidéo. Oyo Kamerhe akomaki presque au tabou nanganda makambaza koloba kuna pale unagana tunajua mashida zabo me baba mulobai kitu tunamtia butuki kukinywa iko vile tunajua mashida ya vijana ya M23 na ile vita tutaimaliza kweli yaani ni kusema chutu imalize na chutu kwe nguvu. Isirudie tena nyuma nchi yetu South Southern Sudan utoshi Congo tunasema hapana. Si ma Africain du train de mbele il faut basikiza no kati yetu. Na pays locomotive, pays leader, il n'a pas choisi Congo. Aiko vide. Le pays locomotive par vocation c'est la République démocratique du Congo. Nous avons l'énergie propre. Nous avons tous nos minéraux stratégiques aussi, sur lesquels le monde entier fonde ses espoirs. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons incapables, avec autant de ressources, avec les cerveaux qui sont les nôtres? Voilà, mon abonné Vital Kamerhe, Azolobame, selon l'information de Bissom Soustozui, Kamerhe a syndiqué, n'est-ce pas, il a demandé que le M23 va déposer Mindouki et baya basa la dialogue. Donc on a un message clé au Vital Kamerhe à Kendaki Nango pour le Nord Kivu. Donc nous surtout à ça la safari wana et ça va mise en scène. Nous connaissons les revendications du M23. Il faut dialoguer pour trouver une solution durable afin que la paix revienne. Vital Kamerhe, devons-nous conclure que l'option diplomatique et militaire évoquée par le gouvernement a échoué? Wait and see. Alors, soyez botali Vital Kamerhe, mais en même temps, bah, vissibino que force régionale, Oyo Uganda, aza déjà na Congo,
Rwanda azo kokota na Congo, Burundi aza deja na kata Congo, to ebite ba misusu soki ba koyaba kolanda na sima. Mais tant que Kamel azo ba ke no le M23, to ebi ba revendication na bango, to kende to dialoguer et puis to ebande to kosala. Ça veut dire que message Félix a tindaki Kamel na est yango wana. Yebisa bato wana ya Bunanganda ngai Kamel deja na zali na yebi ndenge ni to kosala pona to silisa makambo yo bo libérer Bunanganda. Donc Félix Tshisekedi a échoué de déloger le M23 par la force et le M23 comme eux ils ont imposé que avant bango batika Minduki il faut dialogue, il faut ba réinsérer bango na kata armée, il faut ba réinsérer bango na système politique à Congo ba obtenir gain les causes na bango. Ils ont obtenu leur gain de cause et maintenant bani ba banda kosala musala na Congo. Selon Vital Kamerhe, mission Félix Tshisekedi a tindé la kie na est ya ngwana. Parce que bomoni, soye zaraki Moïse Katumbi, mutakende ko senga eloko wana, le gouvernement aliyao lo baono, eza état de siège basala na meeting politique ité na état de siège. Basanga meeting populaire ité na état de siège. Alors, na état de siège basala ka ba peloton ité na état de siège. Mais bon, moni Vital Kamerhe, malgré que l'être bimaki a l'oukouta, ba yambi ye. Ba tu ba yambi Vital Kamerhe. Ba bete liye maboko. Et azo continue safari na ye kote kuna. Donc en premier lieu, on peut noter que Félix Mtayebi si mer wana, yo, oza zoba, yo, olingo longwa musala. Webite genga mnatindi Kamerhe kuna, pa yako dialogue na M23. Yo nani? Félix Tshisekedi a zako utilisé Kamerhe parce que boyebi ke seri to zala ki na ba guerre o zala ki belé na kata Congo o seri Kabila zo ki pouvoir mutabande ko kende ko kutana na ba rebel wana akutana na ba Jean-Pierre Bemba ba tout c'était Vital Kamerhe. Croyez moi et soyez en sûr, Kamerhe tant a koma ki côté wana il a rencontré les membres du M23 akutana na bango Kamerhe. Et c'est au nom de Félix mutatinda ki. C'est fini. Maintenant, bon, vous avez la ligne. Vous avez si vous avez changé, vous avez délogé M23 dans ma casse. Non. Trois mois, Félix Tshisekedi est incapable de retrouver une solution pour Nanganda. A tiki territoire Rwanda, pendant trois mois, Babilo Kotou est exploité dans M23 branche armée à Rwanda. Le lo caméra bimi, auto ebi, ba revendication na bino, bo déposer Minduki, bo ya, to dialoguer. Bo dialoguer. To dialoguer ni na batouana. Combien de dialogues au salaté soit solutionné? Combien de revendications? Chaque fois, il y a que de nouvelles figures. Eh bien, Botamagana M23. De Laurent Kunda, Kunda Batouari, Bosco Ntanganda, James Nanyo Susuoyo. Eh belé, oui, ceux qui les leurs comme Willingoma, Sulutani Makenga. Donc, les M23 créent de nouvelles figures à chaque fois, Toujours dialoguer avec le gouvernement, intégration avec le M23. Toujours dialoguer avec le gouvernement, réintégration de nos rangs, réintégration. L'armée congolaise est complètement pourrie. Vital Kamerhe. Ma ou trop, peuple congolais, je vous dis. A quel est ce que vous avez dit, il y a M23. Bino, keko sala, yo kende yi maramba safari na yo, soki yo kende, yo baki yo baki yo, non, moi je suis pas venu pour la politique. Soko yo tango komo benga ba M23 au dialogue, ça veut dire quoi? C'est le message clair qu'il est parti dire là-bas. Et la carte yuana, tu yo kosa soko ba révélation, qu'on nous dit que le M23, la branche armée rwandaise, reconnue par Kagame, awawa, bande konangai, la branche armée du Rwanda, o ba bengi na kombo M23, reconnu ici, peuple congolais. Je vais vous lire, en tout cas, information pour nous comprendre. Les M23 viennent d'être reconnus officiellement par le gouvernement rwandais comme une unité de l'armée rwandaise avec mission d'assurer la sécurité des frontières rwandaises, de capturer et de neutraliser le reste de combattants présumés génocidaires ou tout FDLR bien répertoriés par l'armée rwandaise, Le président rwandais, Paul Kagame, a promis 23 officiers supérieurs au grade de général à Pronton, samedi de sources militaires dans la capitale rwandaise, Kigali.
Tous les généraux promis sont essentiellement des anciens commandants au sein de l'ancien mouvement rebelle CNDP, aujourd'hui mouvement du M23 Mars. Actuel mouvement armé occupant la cité de Bunanganda ainsi que plusieurs autres villages et localités dans au moins quatre groupements, à savoir Jomba, Bweza, Busanza et Kisigira et Kisigari, et qui sont accusés de plusieurs autres exactions, dont la mort d'au moins 16 civils et d'autres dégâts humains commis le mardi 22 juin dans le bombardement au village Buraro, Ruvumu et Rutokora. Le M23 reconnu officiellement donc comme une unité de l'armée rwandaise de Paul Kagame au pouvoir à Kigali, qui s'est emparé de pouvoir en juillet 1994 après avoir chassé le régime Hutu qui était accusé d'être responsable du génocide Ngenboye Biango. Selon un communiqué émanant du bureau du porte-parole de l'armée rwandaise, le président rwandais Paul Kagame a par ailleurs promu un seul officier supérieur au grade de lieutenant général. Il s'agit du général Sulutani Emmanuel Makenga, promis par le président Paul Kagame au grade de lieutenant général, ainsi que 6 généraux-majors, 16 généraux de brigade, dont le porte-parole de cette unité de l'armée rwandaise M23, à l'occurrence le major Wulingoma, promis par Kagame au grade de général de brigade. Dans l'ensemble d'une trentaine de hauts gradés de cette unité de l'armée rwandaise concernée par cette promotion annoncée officiellement dans le week-end, par ailleurs, un groupe de 7 autres officiers a été promis au grade de colonel. Tous sont notamment des anciens hauts cadres au sein de l'état-major de cette unité de l'armée rwandaise, indique-t-on. Toutefois, le communiqué indique que le seul officier supérieur promis au grade de lieutenant général est le général Emmanuel Sultan Makenga, qui doit travailler en coordination avec le lieutenant général Karenzi Kareke, récemment promis aussi par Kagame, qui jusqu'ici assume le poste des patrons de l'armée rwandaise, selon le même source. Moutatinde Lebisongo, Dieudonné Nyosenga, journaliste d'investigation au Rwanda. Moutatinde Lebiso, information Oyo. Sukoyo, Kaenani, comment s'appelle Vital Kamere, lui il parle là-bas, il commence à dire, oh non, toi qui nous négocier dans M23. Faut être malade. Faut être malade pour accepter ça. Mawatro, ba trahison Oyo. Mawatro, peuple congolais. Mais, Namakamboyo, tout autre monde, sur totali ba source à Makamboyo, et ça a fait matamo mouki awa, na vidéo Oyo, boyo kamakamunini, Vital Kamere, alobaka tanga kendaka, na mariage, ya James Kabarebe. Suivez la vidéo de Vital Kamere. Je voulais féliciter d'abord notre grand frère et ami, mon ami James. Son ami, hein, James. James Kabarebe, c'est son ami. Un garçon intelligent. Un garçon intelligent. Féliciter aussi la famille de la jeune mariée d'avoir donné à James une belle fille, belle, bien éduquée et qui a fait de bonnes études. Mais les jours, c'est pour les mariés. Nous vous félicitons. Vous avez les félicitations du président Félix Tshisekedi. Au moins, il trahissait comment ? Il a protesté contre James. C'est-à-dire comment James a invité Kamere, mais il n'a pas invité le président Tshisekedi. Donc, ça va me créer des petits problèmes. On va régler ça à travers le dialogue intercongolais. Il n'y a pas de problème. Ma femme, j'ai prié qu'elle vienne parce que pour nous, le mariage, quand un parent marie sa fille ou son fils, c'est le jour le plus heureux pour un parent. Alors ma femme est venue. Je vais l'inviter à applaudir aussi le mari là où il est. Nous avons conformément la tradition chi. Que moi je suis mouchi ici à côté. Quand on va à un mariage, on donne toujours des vaches.
Et donc nous avons décidé de répandre vache. Renforcer les liens. Renforcer les liens. Boyoka. Les Kivu. Les Kivu. Et les Rwanda. Renforcer les liens Kivu Rwanda RDC. Les vaches là vont mettre pas, je vais donner chaque fois soit billet, soit des veaux. C'est la tradition. J'aime chaque fois une fois. Voyez qui Mutunabino Oyo, Babengi na Komoya, Kamere. Boyoki Kamere, Nena Lobi. Alors, je crois peuple congolais, pour comprendre, Batoyo, Nenge Bango Bazali, na Bato Bazako Gesenga, dialogue na M23, na Katia Rwanda. Je pense que, pour comprendre Bango, très bien. Alors, voilà le pourquoi que Mboka Wana, tant que les trahisons, et Gozalara toujours, et Gozala toujours, il sera un peu difficile de libérer le pays là, na Bakambo Ezako Kende. Et na même angle d'idée, na même angle de point, peuple congolais, na zola Xabino Soussou, c'est que Kigali commence déjà à faire dans le lac Kivu. C'est que le Rwanda commence déjà à exploiter dans le lac Kivu. Tandis que Bino, Bakongolais, pétrole la pamba, bozo que nous ressemble à fond na Belgique. Regardez ce que le Rwanda a commis déjà comme ça là, na lac Kivu kuna, vous n'avez pas l'idée, bande konangai. Vous n'avez pas l'idée. Regardez. Le lac Kivu situé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo contient une grande quantité du gaz méthane, estimé à environ 65 milliards mètres cubes. Pour exploiter davantage ce gaz, le Rwanda vient de lancer les travaux de construction d'une usine d'extraction et de compression du gaz méthane, le transformant en gaz naturel. Un projet qui permettra au pays de réaliser sa vision de développement, comme le souligne le Premier ministre rwandais, Edouard Ngirente. Le gouvernement du Rwanda s'est fixé l'objectif de rendre l'électricité accessible à tous les ménages à 100% d'ici 2024. Bonjour. Ce projet vient appuyer cette Bonjour. Vision que le gouvernement s'est fixée. C'est aussi une fierté pour nous tous Rwandais d'utiliser le gaz naturel produit dans notre pays. La société GazMeth indique que l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu permettra d'éviter le désastre écologique qui résulterait d'une quantité excessive du gaz dans le lac Kivu. À l'heure où nous parlons, le lac n'est pas stable. La quantité du gaz que contient le lac est connue, mais il y a toujours le gaz qui entre dans le lac et donc sa quantité augmente. La quantité qui entre n'est pas bien déterminée, mais nous voyons que nous pourrons produire du gaz de façon durable. Notre contrat est de 25 ans renouvelable. L'analyste économique Teddy Kaberuka estime que le Rwanda va gagner pour sa consommation et pourra limiter les importations du gaz qui était une charge énorme au pays. Il indique aussi qu'un tel projet profitera non seulement au Rwanda, mais aussi à toute la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il faut souligner qu'un projet pareil, c'est un projet qui crée de l'emploi à des milliers de personnes, d'une façon plus élargie, toute la région de l'Afrique de l'Est. Aucun pays ne produit le gaz. Les pays qui produisent le gaz sont plus ou moins loin, comme la Mozambique, mais toute la région, que ce soit la République démocratique du Congo, qui est juste à côté de l'unité de production de ces gaz naturels, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, ils vont tous profiter de cette usine et acheter à moins cher par rapport aux produits importés, que ce soit de l'Asie ou de l'Europe de l'Est. Une fois ce projet arrivé à terme, Congo. Environ 1 million mètres cubes de gaz Congo. Sera produit chaque jour. Congo. À côté de l'intérêt économique global du pays, l'utilisation du gaz permettra de sauvegarder plus l'environnement en évitant le déboisement exagéré à la recherche du bois de chauffage, largement utilisé dans les ménages au Rwanda pour la cuisson. Jean Tamasen Imanishimwe, VOA. Boyogi, Bomondi. les traîtres au Congo là-bas, donc bato bazo dirigé mboka na ba véritable bando ki pena ba traître pena tango tala chilombo ako tambola na ye de gauche à droite ako yamba ko yemba yenga na ye tala Rwanda bandiko exploiter gaz ya lac Kivu ba signer ba contrat je crois ba tuona ba rosa ba américain ou bien ba canadien
a signé un contrat 25 ans renouvelable. 25 ans renouvelable. Va exploiter la Kikivu. Talabissona RDC. Talabissona RDC. Nous avons le pétrole au Mwanda là-bas. On a le pétrole au Mwanda. Mais on n'arrive pas à le pétrole est exploité par Total, la compagnie française. Mais bah, tout bazo qu'on bénéficie d'un pétrole mingi à Mwanda, c'est l'Angola. C'est l'Angola qui bénéficie plus y a pétrole à Mwanda. Nous, Congolais, on rien, on ne trouve rien. Kotoyo, Lac Albert, comment s'appelle ce monsieur-là? L'Ouganda commence déjà à exploiter le pétrole. Où est-ce que le Lac Albert? L'Ouganda exploite cela. Vous voyez, Kotoyo, Lac Kivu, Kaka n'est pas bandi na ye. A bandi ma projet na exploite ma gaz. Congo, ma watro. RDC Pendaba, oui, qui va dépouiller Congo, le col à Pendaba, l'ongola, soso, ma papou, va dépouiller Congo, donc les apprenants qui ont dit que, au Kanyindeke, mais au Longolia, ma papou, tout pour qui m'a rallié sous souté, c'est comme on a fait à la RDC. On nous a dépouillé à tel point que, Congolais moyen bouger, t'as l'ipekezate. T'as la moutou, bah, y'a go bambana moutou à pays. Un monsieur qui ne sait absolument rien. Rien et qui ne sert à rien. On va le marquer, même dans la famille, le monsieur est inutile. Mais bah, tiens, président RDC. Regardez maintenant l'aventure de Zakou Lekanamboka. Lac Albert exploité, Lac Kivu exploité, côté à Mwanda exploité que par des pays frontaliers. Nous-mêmes, on n'arrive à rien faire. Et là, on invente encore des conflits communautaires dans côté à Bas-Congo. On exploite, on évente des conflits communautaires. Les Congolais, côté Okuna, baye, na conflit, ça, qu'on les cana est, baye, n'a pas côté à Congo central, côté à bas Congo. C'est pas la peine. C'est mal. Et ce qui frappe encore, je peux pas dépasser cela sans dire cela. Ezali, et l'autre, ça, bah, Congolais passe dans son ensemble, sur l'attitude que nous avons, même si l'image, ils ont accepté full caméra et n'est pas bien, mais nous avons cru que le message, oh, bisouba congolais, tout ça, là, awa, ça tend aussi le Kivu. Ça tend le Kivu, parce que tout ça, là, naba, feedback. Feedback, ça veut dire retour, il y a un message. Bandeko, Kivu, ben, arabiso. Bandeko, batine de l'arabiso, ben, message. Ben, vidéo. Qui veut dire que notre message est comme Arakuna. Mais étonnant, bande quoi qui vous battez quoi en bas caméra, même si c'est poignée de personnes, mais c'est regrettable. C'est vraiment regrettable de voir nos frères de Kivu derrière Vital Caméra. Ça veut dire que quand j'ai vu cette vidéo là, ma vidéo à caméra, les gars tout ça va tourner wana. Obi que nami talinga mo nami yokeli mawa, nami yokeli mawa, ngamo nami yokeli mawa, nami tourni mituna mais ah. Vraiment Zambé. Ba makambo tout au zogoloba. Oyo Congolais zomona na misu na ye. Congolais pena zomona na misu na ye. Ke kamere bakangi ye. Ayibi 50 millions. Tout ça. Lelo le même kamere zongi a zo sala. Triomphalisme na Kivu li sousou. Non, j'ai eu des larmes aux yeux. Je n'ai pas cru moi-même. Je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Et je n'arrive même pas à quoi. Je dis que mais les Congolais sont naïfs. Nous sommes naïfs. Mais c'est fini! Ça veut dire que c'est comme si nous-mêmes nous sommes. Namorin de Gomorra, combien on a Facebook? N'a pas Jinaïe? A vu que jamais lui dans la vie, beaucoup de cotisations pour la qui voit Pessa le sous. A vu jamais n'a pas Pessa le sous. Tant à Monica Nenge Bayambi, caméra, je ne donnerai plus rien pour la Magamba Kivu. Je ne ferai plus ça. Ça fait mal! C'est un choc pour tous les Congolais! Après tout ce que nous crions ici. Après tout ce scandale que nous vivons, vous recevez Kamere. Ah! Vous avez la Kamere sous Nassim. Ah non, mais non, mais non, mais non. Ça veut dire, en 2023, Kamere a royé à Félix, Boko Yambapé Félix, Boko Betele Maboko, Boko Koumisaye, Boko Voteye. Ah! Mamba Congo, non, c'est grave quoi, c'est grave.
bandoa Kivu soki boko sala makasi te ko changer image wana na on a habité nous on a cru que tant bozo mona caméra boko lukele ta mabanga parce que c'est lui qui a amené Félix Tshisekedi là-bas. C'est lui qui a volé même la victoire de Fayulu. En connaissant bien que Tshilombo n'a rien. Aïe, roya naïe. Lélo, le même Kamera, zoye, la bino, le sous solution. Et puis, vous on dit, ma. Kamera, zan, la solution. Yaropé, Sabino. Mais non, c'est quand même, pitoyable, quand même. Le même Kamera était arrivé ici à Bruxelles. Tout le monde va combattre à Kivu. Même chose. Bakero Stone à Bruxelles, Bayambi Kamere, Bakangi, ba photo, ba tienne à Facebook. Le même Kamera comme il à Paris, Bandekonaye à Kivu, au Bazarana France, Bakero Yambaye Kamere, Bakangi, ba photo, ba tienne à Facebook. Mawa trop. Mawa trop. Et vous êtes le premier à dire que Mboko est tambolaté. Christopher Mboso, aye Bruxelles. Bandeko na ye a bandundu. Bake go yamba Christe, Mboso. Moyena 200 euros, 300 euros. Bake go kuta na Christopher Mboso. Ba boyu ko yebisa ba kombata ke Mboso azana hotel boye. Boya to sale lumbe lumbe. Boya to bouje kamere. Ba bombi information. Bango bake go zwa ba 200 euros, 300 euros. Ba mikangi ba photo. Ba tiango pe na ba Facebook. Pona go lakisa ba tukeno. To kuta na kina Mboso. Quel autre trahison. Moi, je vous ai dit, même si tu es mon ami, si on a mon yoga, on a bilo, on a n'engwana, non, le talon à distance ou quoi? Talon à distance. Mboso touche presque $1 million le mois. Yo, vandi na poto, tu travailles dur. Ozo travaille dur. Mais tu n'as jamais, même na bake, par contre, t'as la compte, na yo, m'to sali 20 ans na poto, 30 ans. Même pas na $100,000 na compte na yo. Mais Mboso le touche par mois. Mais yo, zo nyo kwa ma, na poto. Osora mbongo wanate. Bande kono batikai na mboka basoko nyo kwa ma. Osora salaire wanate. Kamera volé l'argent. Ba yibi ba ngona chilo mbongo. Ba plus de ba 5, soki ba, plus de ba 600 millions, ba 700 millions de dollars. Ba yibi. Lelo yo kamera zo tambo na ba avion, azo loué ba jet, azo loué ba avion, azo voyager partout. Mais Congolais azo betele maboko. Ba to bazako yiba, Congolais za sima na bango. Prêtre, prêtre. En tout cas, changa pe po ngana bima. Prêtre, prêtre, changa poanga na bima. Vous êtes des fainéants. Vous êtes des vrais fainéants. Moi, je suis à Bundara, je suis à Kinaye. Moi, je suis à Zarasima, je suis à Pamba Pamba. Non! Je suis à Bundara, je suis à Kinaye. Si tu es à Koma, tu es à Koma, c'est passé. Tu ne sais pas Kamere. Je suis à Komisa, tu es à Josa. Ce n'est pas Kamere qui supporte tes enfants. Au Bakenda école, ce n'est pas Kamere. Ce n'est pas Mboso. Comment toi, tu es un père, tu as plus de 40 à 50 à 60 ans, tu peux t'aller et t'agenouiller devant Mboso, devant les gens qui font du mal à ton pays, tu pars t'agenouiller. Aujourd'hui, tu es vraiment Maboko. Tu es naïf, tu es un traître. Tu es un traître et pourtant aussi, boyebi ke bato yo soto bengi ba combattant, ba olingisa bango. Vous avez eu l'information, bon bien on a banda kuna bino. Et bozo ta yo za muta bandundu. Yoza mutaki vous poto cha kombo no toke kuta na kamere. Toke kuta na Mboso. Jantiningo bila pareil. Aye pari wana zo sala ba interview a Buzoba. Ba kombata ba za wana. Ba tu ba yebi. Il marche avec des Congolais. Jantiningo bila. Azui ba garde ba Congolais. Ba maître ba Congolais ba zala na Paris. Na ho ba zala na Bruxelles. Ba zo sala sécurité en Gobila. Vous êtes des malades. Mitu na bino sala raté. Vous êtes des malades. Mitu na bino sala raté. Tu crois qu'après, ceux qui ont battu les gentilings, ils ont payé sur $500, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas les manger combien de jours? Tu sais combien touche Ngobila? Toi, par mois, par année, combien toi tu avoues dans ta famille là-bas à Congo? Tu es bien en Belgique? Tu es vraiment bien en Belgique? Qui d'entre nous, dans la diaspora, a zon luka kende Congo te? A zon ane kende revendre dans Congo? Si on est ici dans ce pays, c'est à cause de ces personnes-là. Mais comment yo vani na poto, ozo sa la sécurité en Gobila? Tu es malade. Oza vrai malade, namoutou na yo, oza vrai malade. Tu suis Ngobila, tu sécurises Ngobila. Un homme qui pille ton pays. Qui ne fout rien dans ton pays. Qui a des millions de dollars. Que toi, peut-être dans ta vie, on va recouvrir pas aux Zouangote. Les biens de l'État, c'est pas ses biens. Tu suis Mboso.
Ah, naïvité ba congolais oyo. Naïvité les mêmes personnes. Ba mona ba cadavre ba photo bibembe ambokoyo, ambokoyo. Mais yé wana na sima ya chantini ngobila, azo sa la sécurité ngobila. Tu es malade monsieur. Ta tête là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu quittes ta femme et tes enfants pour venir sécuriser Ngobila. À la fin, pour m'appeler sur 300 euros, 500 euros. Il faut être malade hein, pour faire ça. Mawatro, Mawatro, Mawatro. N'a pas de États-Unis. Un Congolais. N'États-Unis. Alanda Ngobila. N'a pas de mots. N'a pas de mots. N'a pas de Mawatro, vraiment, Mawatro. Et ça, c'est là. Ils appellent pas si mingi. Alors, pour...